Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai. Bonsoir Shinai. Bonsoir YouTube. Du coup, retour reprise Wartale. Il y a un petit logo de campement. Notre niveau de recherche est toujours parfaitement acceptable. Ouais, on peut encore voler 5 ou 6 trucs. Par contre, je vois un drame. Je vois un drame. Taurus n'est pas en train de faire la popote. Ouais. Bah, Taurus, il faut qu'il monte de niveau. Hein. C'est... Il est niveau 10. Hein. Ah, ça y est, niveau 10. Ah, oui, putain, ça y est, niveau 10. On remet des gens sur le potal. Toi, t'avais pas besoin de remettre Zinit. Du coup, c'est bon, il est niveau 10 aussi. À mon revenir, c'est pas du bon sens de la table. Ah, si. Bah, visiblement, t'as pas le choix. T'es obligé d'être dans ce sens-là. De Bart, c'est bon, bah. Tout le monde. Ah non, mon lieutenant il est niveau 9. Bon bah, lieutenant, mon lieutenant. Hein. Oh. Ouais. Il faudrait mettre quelqu'un. Je vais mettre Stevion sur la viande. Hop. Je vais faire bosser les gars. Ça me paraît pas mal. Ah. On a récupéré le tonneau. Attends, il y a le tonneau de brassage qui est remonté dans l'inventaire. Ouais. Et ah. C'est un nouveau métier. Oh, brasseur est un métier. Mais bah attends, c'est intéressant parce que je crois qu'on a des métiers en double chez nous. Ouais. On n'a pas genre deux mineurs et deux forgerons. J'ai un forgeron. Rond. Ah, va passer brasseur. Si ça t'intéresse, brasseur, je sais pas c'est quoi le bonus de base. Constitution et critique. Ça va pas te changer grand chose du forgeron. Non, c'est de la. J'ai changé de choix critique. Ah oui, c'est. Ok, ouais, en plus on est sur du tank. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ok. Et je crois que ça augmente aussi la volonté ou un truc du genre. Ouais, mais alors du coup, comment tu montes ton métier? T'as des recettes ou pas? Mais non, t'as pas de recettes. Ouais, il y a des recettes, mais il faut de la cerise ou là, il nous faudrait des pommes. Alors, de la cerise ou de la pomme? Ah, oh, j'ai pas de pommes. J'en ai une, mais bon. Moi ouais, je mange, j'en ai plein. Mais il faut un point. Hein? Ok, je veux bien lui mettre des pommes, mais lui il veut pas. Ah, mais parce qu'on a que la recette de l'eau de vie. Donc il nous faut de la cerise. Et ça débloquera la recette. Et alors là, pour le coup, cerise, c'est pas que je veux pas être de mauvaise foi, mais j'en ai que deux, et du coup ça permet pas de faire ta recette. Et j'ai pas besoin de mettre depuis l'inventaire, en fait ça auto-sélectionne à première vue. Une fois que t'as choisi eau de vie, on voit qu'il y a 2 sur 3 dedans et ça produit pas tant que t'en as pas. Donc faut se méfier, ça écoule automatiquement tes ressources. Ok. Attention. Du coup c'est un peu comme la viande sur le séchoir, sauf que t'as pas besoin d'assigner la viande. Ok, bon bah ça marche. Eh bah écoute, moi en avant compagnon. Eh bah let's go. Donc si on a déjà plus un rond. Ouais. Des gardes, pas de gardes, c'est comment? C'est un écran noir. La rumeur court qu'un navire de Bellerion se serait échoué au sud de Tiltren. D'après la rumeur, une taverne serait à vendre à Stromcap. Ah, en plus on adore Stromcap, c'est une région qu'on adore évidemment. On va y retourner, on va aller voir ce que ça donne. On n'a pas de grès pour réparer le pont. Le ponton, ouais. On n'est pas au point là-dessus, ouais. Le machin. De toute façon, il va falloir qu'on se repose. Mais nous, en fait, on voulait casser la gueule à un mercenaire. Dès qu'on s'approche de ce pont, c'est bugué, là. Ah non, ça, il y a une espèce d'orage. La troupe a été touchée par l'œil d'Alazar. On a perdu 5 de bonheur. Cassons-nous d'ici. Ah, tu voulais qu'on s'approche de la maison, c'est ça? Bah, surtout qu'on se mette un peu à l'écart pour... On s'est fait deux peceux comme des gros tas, voilà. Du coup, moi je mets mes gars au lit. Si on a tous pris des blessures, hein. Gros fun. Ah ouais, chaud. On s'est fait défoncer par l'œil d'Alazar. Putain, c'est vraiment que des emmerdes. Vraiment, on prend cher, hein. Lieutenant Will, je vais te soigner Taurus.
On s'est mis un ragoût de cochon. On se met un petit matelas aux pommes, on aime bien. On va se mettre du poulet. Quelqu'un veut du poulet? Bon, voilà. Je nous mets. Allez, parce qu'on a vraiment beaucoup de problématiques, je nous mets une hydromel de grande qualité. Un champignon, et normalement, on est bon. Par Ah, contre, il n'y a et un bout de personne au bois. feu. Ah, j'ai plus de bout de bois. J'ai même plus un bout de bois. Excusez-moi, Ah un ouais, bout de bois. on est Je dans la récupère un bout de dèche à ce bois. moment-là. On est dans la dèche à ce moment-là. Non, ça va. Et un bout de bois. Ça fera un bonheur. Allons-y. Et là, on se fait tomber sur le... la gueule par des trucs. Ah ouais? Non, mais ça 10% peut chance. arriver, hein. Un pourcentage de chance que ça arrive, hein. Ouais, j'espère que c'est pas la garde parce que. Gain d'XP augmenté de 20%, voilà, on a Notre bonheur récupéré. a été Oui. restauré au total et au maximal de ses capacités. La connaissance du monde a augmenté. Nous avons obtenu le Ah, on est bonus pas mal. suivant, gain d'expérience augmenté au combat de 20%. Ça tombe bien, la garde nous adore déjà. Et on a augmenté, grâce à Sophia qui est sur l'hôtel de l'œil, de 20% nos chances de coup critique. Oh, impeccable. Par contre, du coup, il reste plus que Will à soigner. Bah, du coup, je vais sortir Will du mannequin. Et puis. Je viens de le soigner, je viens de le Ah, soigner, tu viens de Romain. le soigner. Ok, d'accord. Bon, bah, je remets Je Will au pensais que tu mannequin. viens. On va aller se peser. Bah, let's go. Non, non, pas par là. On va pas se reprendre une foudre. Arrêtez vos dingueries. Bon, déjà, par contre, il y a une pêcherie. Est-ce que on peut aller voir cette pêcherie? Puisque peut-être. Alors, Voilà. on y était déjà allé la dernière fois, il fallait qu'on y aille le soir. Tu sais, c'est là où il y a des esclaves. Alors, ça serait pas mal qu'on garde notre temps pour péter la gueule de l'autre là. Là, il regarde, il y a des gens à péter. Et en face, il y a des gardes, donc c'est chiant. Donc eux. Putain, je suis bloqué contre un caillou. Là, ils sont combien? 3, 2, Plus que 5, ça. 7. Oh, ils sont une blindée. Alors, s'ils n'ont pas de renfort, on sera content déjà. Par contre, tu noteras que Ouais. je suis bloqué contre un caillou. Ce qui peut poser des problèmes avec la garde. Je suis actuellement en embrouille avec un caillou. Par contre, Bon. c'est toujours dommage qu'il n'y ait pas l'option quand tu dis que le jeu te dit ouais, faut venir le soir à partir de telle heure. Il n'y a pas la possibilité de poser un camp et de patienter tranquillement jusqu'à un temps. C'est un petit peu. Pense que c'est considéré comme un repos. Oui, bah Alors peut-être juste là, faire un repos quoi. il y a mon mur qui est pas trop mal, hein. On commence à avoir une troupe énorme, par contre. Ouais, en plus pour une fois on est bien paquet au milieu. C'est pas mal. Attends, où est le chef adverse qu'on lui casse la gueule? Oh, il est trop loin, on peut pas aller chercher. Va falloir qu'on subisse les 30% de dégâts critiques supplémentaires. Et 30% de chance de coup critique. Comment ça il est trop loin? Bah, regarde où il est, il est tout à Oh gauche. putain oui il est trop loin oui, oui voilà j'avais pété j'étais pas allé jusque là moi dans la map hein, après on peut aller envoyer un commando de 3 armées jusqu'aux dents pour se le finir mais ça me paraît chaud Ouais, hein. non, On va être obligé de subir hein. on est un peu short. Hein. Bah, de toute façon, ce Ma qu'on va vie go faire. centre je suis pas sûr de mon truc je vais plutôt mettre Will un lieutenant c'est utile à ce qui paraît Taurus est plutôt en mid Mon mur n'est pas parfaitement en mid. Il manque une Tu veux que je lance, t'en mette voilà, là? une lance par là. Pour jouer en groupe. Quoique, une lance plutôt par là pour les Centaurus, plus proche du combat. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Comme ça. Ouais. Alors je peux te décaler Taurus, hein, il n'y a pas de problème, je peux te laisser Non, une non, place c'est là. bon. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je veux bien. Tu Parce peux même que. reculer Edenal si tu veux reculer Edenal derrière Taurus. Voilà. Que là, il y a un potentiel de Je remets zone ma assez vie. intéressante sur Voilà. sur les On est pas mal. malfaiteurs et compagnie. Ok. Donc là, ça joue. Les deux salopards y jouent. Est-ce que je vais pas leur scotcher tout de suite un os de barde sur leur face? Moi j'aurais mis une zone, tu sais, sur de Zinlen tire et puis là il y en a. Ouais, mais Ils c'est sont deux tous. grands boucliers, donc tu vas rien leur faire. Les attaques d'opportunité sont pas considérées comme Let's go. des tirs.
Ah oui, c'est vrai. Donc, la faille stratégique du jeu. Je le mets là. Comme ça me paraît pas mal, hein. Ouais, comme ça plutôt, ouais. Ça tank. Et Ah, un le fait d'avoir 20% de chance de coup critique supplémentaire, tu montes à 83, ça fait plaisir. c'est tu disais? Mais 83% de chance de coup critique, c'est tout, hein, mais... Du coup, Edenal s'est fait engrainer. Ouais. Je vais Et le peut-être tout prochain à toi, il meurt. alors, à moins que. Alors attends, faut réfléchir à toutes les possibilités cosmiques qui s'offrent à nous. Alors, une proposition, ce serait, je pense, On claque intéressante. l'ordre de manœuvre pour doubler le gain de points. Parce que l'autre qui va jouer, il va mourir de l'attaque d'opportunité. L'ordre tactique, tu veux dire? Oui. L'ordre tactique, oui. Alors, oui, et j'avais proposé Lieutenant Will, comme ça je peux repousser. Je crois que j'ai la lance qui repousse. Ah non, j'ai pas la lance qui repousse. Dommage. Si, si, Lieutenant Will, si. Inflige. Ah non? Inflige la cible et la repousse de 1 mètre. Ah bah, parfait. Comme ça, je dégage en plus de ça le malfaiteur Edenal. qui scotche Edenal. Parfait. Ça vous va? Oui, parfait. Et alors, je peux me coller au. Ouais, je vais peut-être plutôt me coller. En fait, là où je suis, j'ai Edenal. Ouais, sauf qu'il a pris l'eau solitaire, ce cochon. J'ai ma vie qui va finir engagée inévitablement. J'ai Sophia, j'ai Stevie qui sera toujours collé à quelqu'un, et j'ai mon mur, évidemment. Mais je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de me coller à. Je vais me coller à. Si, ouais, je vais me coller à Zinlen, juste parce que je sais qu'il va faire un kill et qu'on va prendre du point. Je vais reculer un petit peu, je vais juste venir juste là. C'est un peu trop de zèle, je. Et en plus, j'ai pas Zinlen. Bah, super. C'est bon, j'ai Zinlen là. Bah, super. Donc, j'ai un peu moins de monde, mais ce sera Zinlen et Denal et mon mur. Bah, c'est mon mur le plus important en vrai. Oui, mais c'est bien, je veux dire que déjà avec ton Zinlen, on va récupérer 2 points au prochain personnage qui bouge, on récupère 2 points direct. C'est ça. Donc j'ai poussé le vilain monsieur, qui était pas très gentil. Voilà. Parce que. Et c'est pas bien de pas être très gentil. Je vais Ouais, c'est pas méchant des méchants. l'engager, mais C'est je méchant des vais. méchants. Non, je vais pas bloquer l'accès. Je vais pas bloquer l'accès. Ici, de toute façon, la zone est bloquée, je vais me placer à côté de 2 gars, ça fait une ligne de front solide. Car je Ça suis un dieu. bouge! Lapin. Brave! Aha! Tu es un lâche. Le prochain à jouer, c'est le chef qui est à Chaille. Donc Ok. on peut Et ben potentiel. je peux faire Alors. des points avec un mon beau mur. Ouais, le prochain à jouer, c'est. Celui d'après, c'est le malfaiteur ici. Et il va venir tanker sur Sophia, je pense. Ben, je Ou sur ma pense vie. qu'on est très bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fera 12 points. Je ne pense pas Oui, qu'il y ait on est besoin bien. de faire plus. Non. Je soutiens le travail de Siliana. Et du coup, nos relations s'améliorent évidemment. Est-ce que je dégage Siliana? Ou est-ce que j'embrouille lui? Je vais scotcher ce connard au corps à corps parce que tous tes archers peuvent me tirer à travers. Oui. On s'en bat la race. Un petit coup de lame. Un petit. Vite fait, pas trop fort. Bon bah du coup, au revoir monsieur. Du coup, je vais aller faire des trucs stupides, genre aller là-bas. C'était important de faire des trucs stupides. Du coup, je vais me mettre ici. Est-ce que tu veux que je joue mon barde? Je le considère comme un barde, hein, Silenea. J'aime bien, c'est que les gens d'armure de plaque qui sont bardes. Ça.
pour faire une ovation. Comme ça, toutes les personnes qui ne sont pas engagées gagnent l'inspiration. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ou alors Taurus qui balance une brutalité pour tout le monde. Premier tour Ça dans dépend, la est-ce zone. que l'autre là, attends, il joue, il se déplace de où, de combien lui? Il Soit embrouille ici, mes soit ici. clauses et il embrouille ta Sophia. Donc il faut aller closer. Bah je vais jouer d'abord Taurus, comme ça je vais D'accord. closer le gars. Et puis alors moi j'ai pas tout le monde avec toi Taurus. Hop, Il manque j'ai juste toi que t'as là. pas. Voilà, c'est bon, j'ai tout le monde. Et tu pourras pas aller le close. Oh, c'est un peu close, mais j'ai la Bon. course. Ah oui, parfait alors. Donc tant pis, je vais claquouiller une course. C'est pas grave. Voilà. J'ai fait de la claquouillance. Oh là là, là, il y a tellement un spot pour gros bourrin. Hein. Ouais, je vois ça. Vivement que je lui mette le double mouvement, hein, ce bon monsieur. Le classique, le pédalo. Wouah! La première attaque fait toujours autant de dégâts. Elle est sale, hein. C'est très très sale, on commence à faire énormément de dégâts. Taurus, il a toujours fait mal, hein. Qu'il ait deux armes ou une, hein, il a toujours fait mal, hein. Et à un moment donné, il a eu un peu de mou, mais franchement, ça va, hein. En plus, là, il a le bonus loup solitaire, ce que je lui ai mis le solitaire. C'est trop J'aurai bizarre. pas Taurus, mais je mets le move. C'est pas Attends, trop grave. le prochain à jouer, il est à Shy, De toute vas-y. façon, t'as le marteau, t'as le plus important. Parce que bon, tes mobylettes, elles en ont Voilà. pas trop besoin là. Si, j'ai envie de vous montrer que dans un tour, tu peux faire un tour de map intégral avec tes mobylettes là. Ben voilà. Elle joue pas beaucoup trop, hein. Pas beaucoup plus, hein. Ouais, bah c'est genre l'armure de plaque, hein. C'est ça. Ça tape une fois, quoi, c'est bien. Bah, c'est surtout un support, quoi. Ouais, ça tank beaucoup aussi. Pas juste un support, ça tank bien. Là, ça va être un archer qui va jouer. Ouais. Ouais, ça serait bien de lui faire un mauvais sort. Je peux 170. Je pense pouvoir le buter avec un des couteaux, avec Mélanine. Ça doit se faire. Oula. Il y a eu un petit lag. On l'appelle la maîtresse des effets. Et théoriquement, je peux aller jusque là-bas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Ah mal. bah, 16 de mouvement de base, hein. J'ai pas déconné sur eux. Tiens, je vais faire ça, je vais dépenser un point pour rien. Hein. Alors, Monsieur. merci, c'est bien aimable. Vous aviez l'air d'avoir un petit bobo. C'est quand même vraiment trop trop fort ce truc. Ça ne devrait être activable qu'une seule fois. Moi, je propose de Prochain à jouer, prendre un c'est en gros bas. marteau et d'aller Ouais. s'ouvrir à la discussion. Vas-y, va ouvrir la discussion. Et je trouve que le marteau comme que t'as, ils l'ont beaucoup trop nerf là. Ouais, non, là, les armes à deux mains, là, c'est devenu honteux, hein, je suis Non, désolé, hein. c'est seulement celui-là. Les Ah, c'est autres armes à seulement deux mains. celui-là. Ouais, Parce que là, c'est vraiment moche, hein. Là, je ouais. tape moins fort qu'un mec à... Enfin, je fais des dégâts de mec qui a une arme à une main, quoi. Bah, en fait, tu as 30. Chaque coup fait 30% de ta force. Donc quand tu fais 3 coups, oui, tu mets 90% de ta force. Mais t'as des marteaux qui font tellement plus mal. Ne serait-ce que on pourra les regarder après
le marteau à deux mains de qu'on peut craft, je suis sûr qu'il met un 90% de dégâts. Ouais, là ils l'ont Bah, vraiment c'est. défoncé le marteau. Hein. Ce qui est dommage parce que c'était vraiment très fun, quoi. Puis je joue un petit tour de dédale. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est pas mal. Toujours. Alors, n'oublie pas, si jamais tu le souhaites, tu peux soigner Silenea et tirer comme si mon mur n'existait pas. Hein. Je sais, c'est ce que j'allais faire. Mon mur n'existe pas. Hop. Et hop. Et je générerai 2 points, les 2 points que j'ai dépensés. Voilà. Bon, on va les laisser venir. Moi, je vais me Ouais. jouer de la lance pour faire du point gentiment. Voilà. Gentiment et gaiement. Précision accrue, plus 20% de critique. Waouh, il lui a pris un œil. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un genou. Ouf, il a rayé ton armure. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une dague. Elle est assez pétée, parce que pour chaque bonus que t'as, elle te met un coup supplémentaire. Je te Donc l'engraine au regarde corps tout. à corps, tu le finis gentiment avec une mobilette, je crois, ou n'importe Vas-y. quoi. Ouais, y a pas de souci. Un truc, quoi. T'imagines sur mon mur là combien il prendrait de coups? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coups. Donc 9. Ah. Le mec te mettrait 9 coups. Bon bah oui. Bon Je bah. pense que ça va être une exécution. Je le termine, je Ouais, vas-y, vas-y. l'exécute. Bon bah. Oui, vas-y. Bah si, il est exécuté. Assaut frontal. Erkechette. Assaut frontal. Trop d'assaut frontal. Il y a ce que plus que là-bas. Ouais, il reste plus que le pack qui est là-bas. Ah, on les a défoncés. Ah, on leur a roulé dessus. Hein. Bon, en même temps, il faut dire que on s'était quand même commencé à s'habituer à se taper de la garde lourdement armée, avec une tripotée Ouais. de renforts. Heureusement qu'on a quelqu'un dans notre équipe qui nous fait courir vite, parce que c'est Et t'en ça. voulais, tu n'en voulais pas de ce point, je te rappelle, de base. C'est vrai. Mais j'ai pas assez pour faire. Ouais. Oui, j'avais doublé ma portée. Le chat, arrête de passer sous mon micro. À chaque fois, tu vas le l'éteindre. Je peux remettre la course si tu veux. Attends, Parce leur que tout le voleur, il monde. va jusqu'où là? Parce Bon, que il tout le va monde ne pas l'aura très pas. loin. Ça peut attendre. Ouais, ça peut. Vas-y, vas-y. Attends, si je viens me placer Mais attends, on ici. l'a toujours la course. Tout le monde ne l'a pas. Ça ne reste qu'un tour. Et mon os de barde, lui, il la récupère. Cool. Il la récupère quand il pète une armure. Non mais j'étais Ah. en train de regarder Mavic qui l'avait aussi du coup là elle Ah. l'a toujours en fait en actif là c'est-à-dire que je peux aller voir le monsieur qui est là et lui péter sa mère. Bah, va lui péter sa mère. Bon bah Comme ça, il perd 30% de dégâts critiques et. alors Ah non, c'est c'est pas pas leur cher. c'est Dommage. pas Vas-y, vas-y, c'est je vais vas-y. juste tuer celui qui joue après, c'est tout. Vas-y, bute-le. C'est le chef qui joue pas. 185, bravo. Le moral, hein, ils sont à 3 contre 12. Enfin, 4 contre 12 là. Ils ont encore une chance. Maintenant, je pète leur chef. J'ai entendu un petit coup de tonnerre dans le. Voilà. L'oreillette! Ouais, Ça pue! ça bug un peu. Et j'embrouille celui-là, quoi, vraiment. Mais ils ont le moral qui tienne, hein, c'est-à-dire ils ont vu un char d'assaut contourner leur ligne, descendre un type dans leur bac, Un revenir coup dans le dos de. de leur chef, détruire leur chef. Le marteau de Thor qui a détruit le. C'est clair, hein.
Ah, c'est vraiment, ils sont pris un troll en charge, mais ils bougent pas, les mecs. Ils sont. Puis un troll qui fait du contournement. C'est vraiment, tu Alors, sais, tu te dis. attends. Déjà, un troll en armure de plaque, c'est du suicide. Mais alors, un troll qui fait du contournement. Non, plus jamais ça, Zinedine. J'ai un Bah écoute, couteau, j'ai le truand qui te présente ses fesses. ouais, Ouais, je vois c'est ça, je un peu vois un ça, cadeau. mais je réfléchissais à ce que je pouvais faire derrière, mais ça va être ça, hein. Il y en avait un troisième. Ah, tu vois, ils veulent s'enfuir maintenant, ils se sont dit deux. Comment Ça on claquait commence des à être têtes là? chaud, mais bon, du coup, il va falloir tenir jusqu'au bout, les gars. Vous l'avez voulu, vous y serez, hein. Alors tu... Je fais juste ça pour réinitialiser mon mouvement. Ah, excusez-moi ton tube, hein, je suis malade comme un damné, je vais juste couper mon mic vite fait. Hop. Elle commence à faire mal, elle aussi. Hein. Ah, merci, j'ai raté quelque chose? Pas grand-chose. Rien de concret. Ouais, réparons tout le monde. Alors, rangeons les plantes. Ah non, toi, ça sera tu loot tout et après tu ranges. Quand j'apprends dans le Ok. camp. Oui, grimpez, évitez la garde. Hendele hey, les golars. On n'aura même pas assez pour. Il faut qu'on fasse encore un combat ou qu'on aille vendre des trucs aux marchands à gauche. Pour. Pour payer nos gars. Ah oui, ok. Bon, on peut faire ça. On peut trouver un petit village qu'on appellerait le petit village. On n'a pas pris le. C'est quoi ça? Ah, Ouais, c'est c'est un. des armes de pugilat. Volée de coups, inflige deux fois, attaque deux fois supplémentaire si la cible est à. Le Oh! casque est très très bien. Hein. C'est Si quoi, jamais, hein. concentration dedans? Ouais, mais c'est tu dépenses un point, c'est de l'armure intermédiaire, c'est pas pour mes gamins. Ah! Pour un Taurus ou un truc du genre. À mon beau mur et Taurus, vous avez quoi, vous, comme casque? Dégâts subis augmentés. Ah non, c'est pas ça. Stabilité 3. Votre unité n'est pas affectée par fragilité 3 ou vulnérabilité. Donc, tout ce qui est coup critique, la prochaine attaque sera un coup critique, je ne le subis pas. De vulnérabilité et fragilité, dégâts subis augmentés de 30%, je ne le subis pas non plus. Bon, c'est deux mecs au bouclier, voilà, c'est clair. Et mon lieutenant, il a un casque dégâts de tatatatata. Et il a enduit stimulant, il a juste l'enduit. Non, attends, c'est pas un enduit, du coup, c'est vraiment la compétence du casque. Dégâts augmentés de 20% si cette unité n'a aucun malus. Eh, j'aime bien les bonus qu'ils ont. Donc, dégâts critiques plus 3%. 3,21 en armure, je crois que c'est ce qu'on a. On a du 3,21 partout. Ah non, 6,27. Et 3,21 sur les lieutenants. Moi, je trouve pas ça utile d'aller le chercher. Ça peut être rigolo drôle si on veut en avoir un dans l'équipe, mais étant donné qu'on n'est pas très riche, est-ce que c'est intéressant d'acheter un casque à 70 balles? Non. Voilà. T'as revendu les armures, le stuff et le merdier, on est bon. C'est bon. On a de quoi payer la troupe ou on est dans la sauce? On a de quoi payer, il faut 388, on Ouais. a Ah bah oui. 475. Pourquoi il m'affiche 192 de mon côté? Ah oui, Parce parce que que... ma moitié est ta moitié. Oui. Voilà. Ok. Baron. Barons-nous et il y a la garde sur la gauche. Si tu regardes l'ouest en haut. J'ai cliqué Ah sur un oui! truc. Je me J'ai souviens. cliqué sur quoi? J'ai oublié. Sur le mec qui sait plus qui est sa fille. Ah. Super. On adore vos vies. Hein. Franchement, incroyable. Hein. Trop cool. Ah, il y a une hache là-haut? Une hache poussiéreuse. Oh. Ouais, On s'intéresse à ce sujet, non? c'est un petit élément
Il n'y a rien dans ce coffre en dehors d'une vieille robe bleue, tu vois, en fait, faut mener l'enquête. Bah menons l'enquête, hein. Alors ceci est un tonneau avec de la picole. C'est le fromage, ok, on a trouvé le fromage. Il y a écrit quoi au niveau de la paille? Rien du tout. Rien du tout. Il y avait juste du Ah, blé d'Arc du attends. blé dur. Cette œuvre est faite il y a longtemps, le temps l'a presque effacée. Mais c'est une petite fille avec une robe bleue. Et un espèce de collier, peut-être. Ouais. Il y a un truc comme ça, ouais. Et donc, Isole de la Brune. 10 ans fighting for the Brotherhood. 10 ans sending him my wages. And for what? So that this old coot doesn't even recognize me when I come back. Convince him that I'm the real Isolde Mercenaries, and I'll give you my old armor. Blonde. Okay, Isolde la Blonde. These wenches are only after what little he has left. Please, mercenaries, you must convince my father that I'm the real Isolde. I'll give you what's most precious to me if you make these women leave. Écarter ces femmes. I risked my life to provide for my father. Oh. I spent 10 years in a gang of bandits to put food on the old man's table, and he doesn't even recognize me. I'm willing to give you my weapon to make him come to his senses. Ça n'aide pas beaucoup, hein. La seule piste qu'on a, c'est pour la brune, hein, robe bleue, tout ça. Ouais, mais quand même, quelqu'un qui est parti dans la fraternité 10 ans plus tard, elle a pas la même robe ça, bleue. C'était le panneau que t'avais trouvé. Ah oui, c'était le panneau qui était caché derrière. C'est une petite robe bleue. Donc, ouais, mais en fait, ce que nous dit le panneau qui est caché derrière, c'est ouais. qu'elle est brune, la petite. Ah, c'est brun ça? Oui, c'est okay. noir. Noir. Ok, bah c'est la brune. Donc c'est okay. la brune. Elle a la robe bleue. Elle a tout. Ah, si tu le dis. Bon, bah faut parler aux vieux. Ah oui, toi, c'est vrai que c'est les histoires de couleurs, hein. C'est chiant. I don't know what to do. These three women claim to be my dog good folks. I'm so ashamed that I can't even recognize. If only hein? you could help me find my Azor. Eh ben, la brune. You're not as stupid as you look, mercenaries. Ouais, ouais, hein. But you would have been better served to get it wrong. Then we wouldn't have to slaughter you. Alors attends, elles vont faire du 2 contre 12 là. Get back. Plus les 125 copains qu'ils ont bien sûr dans la cale, hein. Voilà. La cale de la grange bien sûr. Sûr qu'ils ont des copains là. Bah ouais. Ouais, ouais, ils ont des copains, ils en ont rangé plein dans la paille, hein, évidemment. Ah putain. Bah oui. Alors il faut pas qu'Isolde de la Brune meure. Ok. En sachant. Ouais, ok. Wow, c'est dégueulasse le placement là. Il y a un groupement d'archers. Bah attends, ils sont 13. 1, 2, 3, 4 par là. Et 4 par ici là. J'en ai 8, donc j'ai perdu des ennemis là. Ah, et il y a le pack du milieu. Ah oui, d'accord. Plus le pack du milieu, ok. Je vois bien mon mur cassé. Ouais, il est où attends. Mon gros con avec son marteau là. L'os de barde, il est où? Honnêtement, j'aime pas le placement. Ah, il est là. Moi, j'aurais bien monté un petit os de barde de là à de là. Pour aller taper dans le pack que je qualifierais d'archer, alors qu'il n'y a que deux archers dans l'eau avec le pugiliste. Voilà. Oui, donc à droite, ok. Voilà, et je vais lui mettre le lieutenant Will. Alors peut-être pas Will, peut-être Stevie. En... Je mets une mélanine pour le support. Ok, bon voilà, c'est large, c'est largement suffisant. Paf, une laine Arborus, dans le pack de droite. Tac, tac, tic, tac, tac. À mon beau mur là-bas. On a opté pour un mon beau mur là-bas. Si tu veux, il peut prendre la place. Edenal peut prendre sa place. Edenal peut prendre sa place. Tu veux prendre sa place avec Edenal. Regarde.
intéressant. Ça te fait quand même 4 points et un lieutenant à côté. Attends, il nous manque un personnage clé dans cette histoire. Non, ah bah non, tout le monde est là. Ah bah non, ma vigue est là. Ok. Eh bien. Et du coup, à mon beau mur. J'ai remis à sa place. Ouais. Ouais. Ils sont 4 au centre. Alors, certes, t'as la cible avec toi. Bon, là, ils sont pas trop énervés. Mais putain, je perds des points avec mon mur. C'est un peu con. On perd des points avec mon mur. Et on n'a pas beaucoup de points. Non, on bouffe pas mal de points. Alors, certes, je suis avec Will. Mais je suis en train de me demander si tu pourrais pas nous rapatrier un archer supplémentaire. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais il y a 5 connards quand même. C'est quand même le pack de connards principal. Est-ce que tu laisserais pas un Zinlen à la place d'Edenal justement sur le pack de connards principal? Parce que c'est quand même là où t'as le plus de chances de faire de kill. Un gros pack de kill. Sachant que c'est pas des gros en armure. T'as deux boucliers qui te protègent, c'est très bien. En vrai. Je pensais prendre Isolde sur le groupe de mon mur. Vas-y, prends-la. Parce qu'en vrai, il n'y a que des clauses, il n'y aura pas de grosses surprises. Oui. Ça me fait un perso en plus pour l'ordre du. De, hein, c'est ça, ça compte. Ouais, l'allié compte. Et du coup, je peux aller la cacher derrière ma vigue. Ouais. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Est-ce qu'on la laisse en mode attaque? Pas trop mal de points. Est-ce qu'on la laisse en mode attaque ou on change son comportement? Non, tu peux la laisser en assaut, ça l'éclate. Hein. Il y a 4 connards là-haut. Hein. On est 5. 5 contre 4 connards. Avec mon mur, ça va bien se passer. Ok. Du coup, toi, tu peux rapprocher tirailleuse et tout si tu veux. Ouais, je vais rapprocher Sophia. Ça fera c'est quoi ce malfaiteur là qui joue en premier? Je vais aller les scotcher avec. Et il ne touche personne, le malfaiteur. Il joue pour rien. Ah ouais? Ok, intéressant. Ouais. Ok, donc on peut l'ignorer. Ça marche. Ok, je vais l'ignorer donc. Donc je dirais l'ordre du lieutenant Will. Vas-y. Will. Putain, ouais, le placement il fait mal. Hein. Si tu te mets là. Ouais, bon bah c'est je choisis Edenal ou Mavig. Je vais prendre Mavig parce qu'à mon avis elle va se faire caquer. Ouais. Edenal ne pourra en générer que. Se faire caquer. Hop. Tu tournes le dos. Putain, je suis trop loin. Bon bah, je vais quand même claquer ma course puisque c'est une course évidemment qui va me permettre de générer. Quoi ? Ah merde, putain, je ne génère qu'un point. Je suis idiot. C'était stupide. Prochain à jouer, c'est le malfaiteur de ton côté que tu as tapé, donc mon mur. Let's go, hein. Il Allez, est beau. Vas-y. Il est mur. Génère nous 10 points. Il est mon mur. Un pack de câbles. Ça en fait si peu. Oh là là. T'as généré 8 points. Oh là là, ça fait si peu de points. Alors que tu lui rêves sa garde. Oh la vache. Ah, tout de suite, il y a de meilleurs dégâts quand même. Toujours efficace le capitaine. Hein. Il marche bien comme type. Hein. C'est un archer qui joue et c'est un gars au mid. L'archer va se contenter de rayer les armures et il faudrait taper le. Non, je peux mettre la rage de Toto, hein. Ouais, ma Toto, oui, ça. Ou alors, tu joues un Zidlen et tu poses ta zone. Là, c'est vrai. Parce que maintenant on a les points. C'est vrai. Puis tu peux mettre une flèche dans un mec un peu costaud. Un mec costaud, tu veux? Bah, pour descendre son armure, histoire que s'il rentre dans ta zone. Tu sois sûr de l'abattre. Ouais. Et. Je
pense comme ça, c'est ouais, pas mal. Je pense qu'on est très 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 bien. Je pense que si tu rates quelqu'un là, c'est que vraiment il a fait le tour du rocher. Hein. Lui il va taper son pote. Il va essayer de toucher quelqu'un. Ah, il a touché quelqu'un. Il n'a pas essayé, il a réussi. Mais il a arrivé là. C'était beau. Prochain à jouer, c'est encore un braconnier de à côté. Ok, bah je vais tenter la flèche aussi, je pense. Ok, et après c'est le la crapule qui ne jouera pas. Bah du coup, prochain à jouer, c'est de rage pour tout le monde. Ouais, rage pour tout le monde. Vas-y. Sème pour tous. Tout le monde a droit au sème. Dégage. Tu me gênes déjà. Commence par ça. Les mecs un peu costauds, non pas forcément, on a pas besoin d'aller très très loin, hein. Genre juste enchaîner celui-là, c'est très bien. Enfin, ça sera très très bien, très joli. Hein. Très très joli, on aime beaucoup ici. Hop là. Bon bah par exemple, hein, bon bah voilà, hein, c'était méga bien. Voilà, ici. Comme ça on est solide sur l'amitié qui nous unit. T'as vu qu'ils ont rajouté en élément de terrain de quoi se soigner? Oui, mais c'était déjà la dernière fois, rappelle-toi. Ouais. C'est déjà là mais la fois dernière. C'est sympa. Est-ce que tu veux que je... Ouais, non, mais après, c'est plus que de méga Joe. Le prochain à jouer, c'est la crapule, et après, c'est Isole de la Blonde. Donc, si je peux aller... Toi tabasser le monde en fait avec Edenal. Ouais, je vais tabasser du monde avec Edenal. Vas-y, vas-y. Joli. Merci. Ça fait deux cibles. Ah, ça fait moins de connards que prévu, c'est dommage. Bon, ça, si c'est un peu gratuit. Si tu détruis l'armure avec. Enfin, pas de base. Brutalité, inspiration. Ouais! C'est pas mal, hein. Ça fait un style. Un esthétisme. Il y a un petit style. Il y a un petit style. Bon bah je vais broyer les gens un peu gratos. Par contre la zone de ton marteau est vraiment insane. Bon, voilà. C'était méga bien. Ah, Isole de la Roue, ça va taper en zone. Puis tu fais la même chose. Sur la tabasse pas. Voilà. Cool, on est motivé. T'as un coutelier avec moi là. Ah bah tiens, ouais, hop là. Regarde-moi, je suis ton père. Voilà, ça c'était pour Ostebard. Priorité au pack de gauche. Il y en a deux qui jouent le prochain. Qui n'a pas joué? On a Mavic qui n'a pas joué. Ouais. Bah on peut aller tabasser des gens. Boum. Ça fait boum. Moi je veux pas dire mais ça fait boum. Voilà. On est vraiment des bourrins, hein, c'est grave. Voilà. Ça c'est grassement payé. Et du coup je l'ai enflammé. Ça me fait plaisir. Le prochain à jouer c'est la crapule ici. L'autre. Ça serait donc bien que tu joues Mélanine. Oui. En fait ce qui serait bien c'est qu'on les dégage, que le criminel soit pas tenté de venir à droite, même si il a un sacré move. Non justement, je laisse la crapule aller dans la zone de Zinlen.
L'idée c'est qu'on dégage nos deux gars. Comme ça on est sûr qu'il va que dans une direction. Tank hein lui hein. Je tuerai pas avec Mélanie. Elle est moins égorgeuse que... Oh bah... Il y a encore Sylvian qui peut taper hein. Je laisse son bac. Toujours collé à lui. Ouais. Ouh, moins 10 ça fait mal. Joli. Et hop, je te fixe un pansement tout de suite. Parce que t'as pas un milliard de PEV. Ah, j'ai pas la capacité d'embrouiller. Je l'aurais bien scotché au corps à corps. Je l'ai pas. Non. Tant pis, je n'ai pas. On va prendre la provocation avec eux. Et ben, c'était pas grave. Je vais. Dommage que tu nous aies mis dans cette position là. Parce que j'aurais pu faire un soutien moral et psychologique à l'ensemble de la troupe. Enfin, on aurait pu se retrouver à 3, ça aurait fait un bloc plus solide. Bon. Ouais, TKT, ça va bien se passer. Hop, meilleur ami. Et une rayure sur la carrosserie. Enculé, ouais. Il a bousillé la peinture du bouclier. Quel salaud! Salaud! Une tireuse. Et une. Non, si je repousse lui, il va aller sur le pack de droite. Ouais. Non, il n'ira pas. Ça, oui, c'est bien repoussé. Il n'ira pas. Nous sommes galvanisés. Ah, t'aurais pu soigner ton Rus. C'est vrai, j'aurais pu. J'ai 107. Ouais, tu t'es offerte là. Ouais. Ah fuck. Ben écoute, hein, pour le prochain tour, ce sera fait. Comme ça. Il sera pas très long le prochain tour, hein. C'était pas très nécessaire non plus. De toute façon, c'est du point temporaire. Donc... Ah. Oui, c'est clair. Ouais, il reste deux Goliots, trois Goliots à buter. Bon, l'autre elle s'est suicidée dans les flammes. Dans les flammes éternelles. Juste un couteau, hein. C'est quand même grave. Hein. Aucun abus. Et il est encerclé, hein, tu veux lui faire des trucs sales. Voilà. Et il reste un archer là. Je sais qu'il reste un archer, regarde. Ouf, là, tu ouf. L'as pas tué. C'est dommage, il lui manque un couteau pour le tuer. Voilà. J'ai les couteaux de mon mec. Maintenant tu vas de l'autre côté de la map, il y a Isolde à buter là, l'autre. Enfin, de l'autre côté là. Oh. Allez, plus vite. Plus vite que ça là, mobilette. C'est tout. C'est tout ce que tu peux te déplacer. C'est la honte. C'est la honte. Oh la vache. Le coup de Jason Statham. J'ai pris les couteaux de mon mec, il les reverra jamais. C'est clair. Ah, les couteaux de cuisine, elle a adopté. Ah, 2 degrés. C'est bon, ça. Des assaisonnements. Pour moi. C'est pour la taverne, apparemment. Pour moi. Le home du hors-la-loi. Du grès. On a commencé en pile du grès. Hein. On est à 8 degrés.
Bien, il nous en faut 10. Je parle pas de température. Voilà. Comment alors, Isolde. I didn't think these hussies would start a fight. Had I known, I would have struck the first blow. Oui, mais c'est une brave petite. I met them in an inn on my way home. I guess I told them a bit too much about my life. They then decided to impersonate me and try to trick my father. Good thing you came this way. Let me give you your reward before I have a chat with my father. Ouais, toi t'es mal, hein? Saved me. Isolde saved. Ouais, c'était t'es mal barré, hein. Je t'annonce la couleur. Bon. Après le type qu'ils les reconnaissent pas, qu'ils les reconnaissent pas parce qu'il est aveugle, je comprends, mais. Ouais, mais bah après avoir vu, elle a un peu trop parlé de sa vie. Mais bon, à un moment donné, ouais, tu dois connaître la voix de ta fille. Bon, après, c'est vrai que tu peux peut-être avoir un doute. Mais bon, elles n'avaient pas la même voix. Hein. Au bout de faut qu'on ans, se casse. Mec. Fuyons, pauvre fou, dans la forêt, vite. Au bout de 10 ans. Attends. On a récupéré des trucs avant. Non, mais il y a des gardes. Oui, ils sont descendus. Ah, ils sont redescendus. Ok, ils ont backtrack. Ok, c'est bon. Vas-y, on brouille un marchand. Oh, let's go, vite. La paye. Ça on en veut pas. Mais ça aussi. Ah, c'est tenu. Ah ouais, d'accord. Merci la récompense de quête, hein. C'est pas dire de la fraternité. Ouais, c'était à chier, je pensais que c'était un truc bien. Mais 76 balles je crois à la revente quand même. Ah ouais, cool. Ouais, c'est toujours ça, hein. Bon bah du coup là ça va être la nuit, on peut aller voir la pêcherie là du coup. Ouais. On peut aller garder la pêche là un peu. Oh putain, il remonte la garde, hein. Allez vite, faut courir Polo. Cours Polo. Cours. Pas à coup, hein, tu noteras. Oh, il y a une petite fleur là, par là. Il y a une couscous là. Oh, je prends du couscous avec quoi, des épices, hein. C'est quoi cette concentration? En plus, j'ai retrouvé des épices avec. Ouais, j'en récupérais. Du coup, quand tu ramasses une fleur, tu ramasses des épices à couscous, hein. Sache-le. Ouais. C'est quoi cette concentration de gardes, bordel de merde? J'avoue, de gardes et de bandits. Mais visiblement, il n'y a que nous qui sommes recherchés. Tout va bien. Il est 2h du matin, je pense que l'heure est propice à se rendre à cette pêcherie. Il y a un esclave. Il y a des gens. Il y a des gens qui tapent leur meilleure pose. Harag is coming to rescue us. Putain, faut les libérer, on va encore se prendre de là. Mais on est peut-être pas obligé de faire ça, si. Il y a peut-être d'autres solutions. On peut aller voir cette boîte. Bon, il n'y a rien dans cette boîte. Ouais. Pêcher. Ah, on peut aller pêcher là. Ça ouais. Régène. Ah ouais. Allez, let's go. Dites aux esclaves d'applaudir en silence. Vous voyez comment je me la tire. Trois poissons. Trois anguilles m'amènent, d'un coup. Avec un seul hameçon. J'ai plus d'hameçon, putain. J'ai plus de... Ah, faut aller au camp. Gaffe. Parlons vite fait à Karan, peut-être qu'il y a des choses à nous dire. Oh là là. On va prendre deux fois du crime. Oh là. Trois, il y a trois esclaves à libérer. Il est hors de question qu'on se prenne du crime, on est déjà. Là en fait, c'est oui, maintenant mais... jamais qu'on le fait en fait. C'est, mais c'est ça, le truc. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser maintenant. C'est foutu. Un monolithe. Oh, c'est rigolo ça. Un fragment de petits objets pendant le repos. C'est trop fun ça. Du coup, je pense que tu peux déplacer Sylianet, hein, si jamais tu veux qu'on fasse plutôt de l'amitié autour d'un feu de camp ou un truc comme ça, parce qu'on a rien à fabriquer en picole, donc... Ouais. Tiens, je t'ai mis tes hameçons dans le coffre. Merci. Hop. Regarde comment on galère, on vient enfin de descendre à 4 étoiles de recherche. Oui, alors on vient de descendre seulement à l'instant. C'est parce que t'as fabriqué des hameçons, on a dit ok, d'accord. Mais vraiment, c'est parce que t'as fabriqué des hameçons. qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas.
Ouais, je fais partir. Bah, on peut ne pas les libérer, mais ce que je veux dire, c'est que si on les libère, c'est maintenant ou jamais. Puisque c'est maintenant où on va pouvoir absorber, là, même s'ils nous mettent 90 par esclave, on aura rien à foutre, quoi. On sera au max, quoi. Bah oui, on sera encore une fois au max. Ouais. Donc, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est un peu ça. Tu veux, vas-y. Allez, tu es libre, mon ami. Ah, il doit être voleur. Ah oui, voleur. Ou voleuse, aucune différence. Yes, 33 d'XP. Oh là 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 là. Et ouais, nous avons délivré un esclave. Praise the ancients. Ah, c'est pour toi là. Il faut quoi? Faut de la force. Mineur. What? Harag is coming to rescue us. Quickly, quickly, the army could be here any. Vas-y, let's go. Hein. S'il faut taper caillou, hein. Moi je vais taper caillou. Heureusement qu'on peut pas dépasser 600, sinon je pense qu'on serait mais. Oh putain, en plus j'ai looté. Attends, en plus j'ai looté. Puis j'ai bien looté, hein. Ouais, de l'éthérite. J'ai looté 4 éthérites, monsieur. Absolument pas ce que c'est. Il y a pas de place dans l'inventaire pour en mettre. 3 almas de gris là, il y a plus de place non plus pour en mettre. Ah, bah tiens, la place du. Mais c'est pour les trucs qui cachent des côtes de loup depuis le début. 11 de fer. On a de la place pour le fer. Ah, on a de la place pour le fer. Mais on est toujours pas en givracier, c'est une vraie connerie ça. Non, comment ça, on est toujours pas en givracier? Ah, au fait, j'ai vu un truc de fou. On peut. Tu sais, les étoiles des stuff. Mm-hmm. Les stuffs, oui. Ils ont des étoiles. Oui, oui, et bah, tu peux améliorer d'une étoile en faisant des retouches maintenant. Ah, cool. bah, je vais libérer le dernier esclave. Hein, et je vais nous remettre bien. Et financièrement, en tout cas, ça nous a remis bien. Hein. Je le dis tout de suite en termes de forge là, très content. Je dis. Là, on mine. Hein. Ça mine dur. Hein. Faites pas grise mine, quoi. La gueule des troupes qu'on va affronter. Allez, hein. C'est bien, plus regarde, zéro. Je t'ai repris une petite éthérite, je t'ai repris deux cailloux gris là. On est à 5. Bon bah. On a 4 bijoux. Hein. Hop. Hop, hop. Et encore 9 de fer. Hein. On s'est remis bien. Bon. Et ben on est très bien. Moi ce que je propose c'est sortir d'ici et camper direct. Genre plus jamais on bouge jusqu'à que notre nombre d'étoiles chute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a combat. Ah, je crois qu'il faut qu'on y aille, hein. Ouais, va falloir. Mais est-ce qu'on se ferait pas ça dans un prochain épisode? Je ne sais pas. C'est ce que j'allais dire. Oh là là, des bisous ton tube. À la prochaine, ciao.